Bonsoir, bonsoir les amis. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours de français. Le cours de français, c'est tous les jours de la semaine à 18h30, à 19h30, donc à 7h30, tous les jours de la semaine. Merci d'aimer la vidéo. C'est très important. Donc aimer la vidéo. Et puis vous pouvez aussi faire un don sur Patreon ou ici. Aimer la vidéo et vous pouvez faire un don. Voilà. Aujourd'hui, on a terminé. En fait, hier, on a terminé le cours niveau A1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir ensemble tous les verbes. OK? Alors, on voit ensemble tous les verbes pour le niveau débutant. Alors, d'abord, il y a le verbe être. Donc, vous répétez après moi. Hein. Verbe pour le niveau A1, pour le niveau débutant. Le verbe être. Verbe être. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes, ils sont, elles sont. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Elles sont. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Il y a aussi le verbe aller. Le verbe aller. Le verbe aller. On avait vu par exemple ça va. Ça va. Donc le verbe aller, c'est un verbe très important. Verbe aller. Je vais. Tu vas. Il va. Elle va. On va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. Le verbe aller, ça veut dire je vais à Paris, je vais, et ça veut dire aussi je vais bien, ça va, tu vas bien, elle va bien, elle va pas bien. Donc, le verbe aller has two meaning. How are you doing? And also, the second meaning is going, to go. Le verbe aller. Je vais. Tu vas. Il va. Elle va. On va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. Je vais. Tu vas. Il va. Elle va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. On a vu aussi le verbe travailler. Le verbe travailler. To work. Travailler. Je travaille. Tu travaille. Il travaille. Elle travaille. On travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Il travaille. Elle travaille. Ça peut être je travaille à Paris. Je travaille beaucoup. Je travaille comme
Je travaille comme ingénieur. Je travaille comme professeur. OK. On y va. Donc, le verbe travailler. Je travaille. Tu travailles. Il travaille. Elle travaille. On travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Il travaille. Elle travaille. Je travaille. Tu travailles. Il travaille. Elle travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Il travaille. Elle travaille. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi le verbe s'appeler. To be called. C'est un verbe pronominal. C'est à propos de moi. De moi. S'appeler. Je m'appelle. Je m'appelle Georges. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. On s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle. Fois, je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. On s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. On s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Georges. Elle s'appelle Catherine. Je m'appelle. On s'appelle. On s'appelle. S'appeler has two meaning. Je m'appelle. My name is. My name is. Je m'appelle Georges. Je m'appelle. Il s'appelle Paul. On s'appelle. Let's call each other. On s'appelle. Ouais, on s'appelle. OK. Le verbe suivant. Donc, on a vu habiter. On avait vu le verbe habiter. Verbe habiter. J'habite. Tu habites. Il habite. Elle habite. On habite. Nous habitons. Vous habitez. Ils habitent. Elles habitent. J'habite. Tu habites. Il habite. Elle habite. On habite. Nous habitons. Vous habitez. Il habite. Ils habitent. Elles habitent. J'habite. Tu habites. Il habite. Elle habite. On habite. Nous habitons. Vous habitez. Ils habitent. Elles habitent. Bonjour James. Bonjour James. Bonjour Mina. Oui, ça va. J'habite Paris. J'habite Paris. J'habite en France. J'habite à Tokyo. J'habite à. J'habite à. Okay. Il habite à Moscou. Il habite à Moscou. Okay. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Donc travailler. Habiter, je travaille, j'habite, parler, parler, le verbe parler, verbe parler, je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez,
Il parle. Elle parle. Je parle français. Tu parles japonais. Il parle. Elle parle bien. Elle parle bien. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Elle parle. Oui, très bien. C'est un verbe en ER. ER. Parler. Habiter. Parler, habiter. Travailler. S'appeler. Ce sont des verbes en ER. On dit les verbes du premier groupe. Verbe en ER. Verbe en ER. Verbe du premier groupe. Je parle. Tu parles. Il parle. Elle parle. On parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Elle parle. Voilà, très bien. Alors, je parle, tu parles, hein, tu parles français, hein, okay. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On a aussi le verbe parler, travailler, je travaille, je parle, j'habite. On a vu aussi le verbe avoir, très important, le verbe avoir, tu as le verbe avoir. Verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, j'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Oui, bravo LH, oui. Je parle français. Je parle français. J'ai une femme. J'ai une maison. Oui, alors j'ai. Tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. J'ai 40 ans. Tu as un travail? Tu as un travail? J'ai un enfant. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu aussi le verbe aimer. Le verbe aimer, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Aimer, j'aime. Je n'aime pas. Okay. Le verbe aimer, j'aime. Tu aimes. Il aime. Elle aime. On aime. Nous aimons. Vous aimez, ils aiment, elles aiment. Le verbe aimer, j'aime, tu aimes, il aime, elle aime. Nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Oui, je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Oui, c'est correct, James. Oui, je parle, I wrote it before, I think. Je parle, tu parles. Oui, le verbe parler. Je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Parler, aimer, habiter, travailler, habiter, parler. Aimer, travailler. OK?
Ce sont les verbes, ce sont tous des verbes en ER. Des verbes en ER. Verbes en ER. ER, donc ça veut dire je parle. E. Tu pas, j'aime. Tu aimes. Il aime. Elle aime. Donc ça veut dire E. ES. E. ONS. EZ. ENT. Les verbes en ER. Au présent, ce sont les verbes du premier groupe. J'aime. Georges aime Macron. Non, je n'aime pas Macron. Ok. Je n'aime pas sa politique. Je n'aime pas sa politique, ses projets. J'aime, tu aimes, il aime. Qu'est-ce que tu aimes? J'aime acheter les habits. We also saw le verbe « qu'est-ce que tu fais ?» Le verbe « faire ». Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Donc, le verbe « faire ». Faire. Je fais. Tu fais. Il fait. Elle fait. On fait. Nous faisons. Vous faites. Ils font. Elles font. Oui, donc parfait. Le verbe faire. Je fais. Tu fais. Il fait. Elle fait. On fait. Nous faisons. Vous faites. Ils font. Elles font. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la cuisine. Qu'est-ce que tu fais? Je suis professeur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Okay. Je fais. Tu fais. Il fait. Elle fait. On fait. Nous faisons. Vous faites. Ils font. Elles font. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme verbe qu'on a vu? Le verbe regarder. Regarder. Look. Regarder. Je regarde. Tu regardes. Il regarde. Elle regarde. On regarde. Nous regardons. Vous regardez. Il regarde. Elle regarde. Je regarde. Tu regardes. Il regarde. Elle regarde. On regarde. Nous regardons. Vous regardez. Il regarde. Oui, bravo. J'aime lire. Le verbe aimer, aimer. J'aime manger. J'aime regarder la télé. Je regarde la télé. Je regarde. Regarde, regarde. Look. Regarde. Je regarde. Tu regardes. Il regarde. Elle regarde. On regarde. Nous regardons. Vous regardez. Il regarde. Elle regarde. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Oui, j'ai des enfants, James. Salut, Manon. Salut. D'accord. Regarde. Regarde quoi? Regarde. Regarde. Ah, regarde. OK. Alors, les verbes. J'habite. Et vous avez aussi les verbes à la négative. Je ne suis pas. Je n'habite pas. Je ne travaille pas. Je n'aime pas. OK, all this whistle. On a vu aussi le verbe venir. Venir. Le verbe venir. Je viens. Tu viens. Il vient. Elle vient, on vient. Nous venons.
Ou venez. Ils viennent. Elles viennent. Je viens. Tu viens. Il vient. Elle vient. On vient. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. Elles viennent. Je viens. Tu viens. Il vient. Elle vient. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. Elles viennent. On avait vu aussi le verbe savoir. Tu sais savoir. To know. Je ne sais pas. Je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas. Je sais. Tu sais. Il sait. Elle sait. On sait. Nous savons. Vous savez. Ils savent. Elles savent. Le verbe savoir. Je sais. Je sais cuisiner. Je sais. Je sais. Je ne sais pas. I don't understand. I don't know. Je ne sais pas. Hein. Tu sais. Ok. Je sais. Tu sais. Il sait. Elle sait. On sait. Nous savons. Vous savez. Ils savent. Elles savent. On a vu aussi le verbe falloir. Falloir. Il faut. Il faut. You must do. You must do. Must. Falloir. OK? Il faut. Il faut. You have to. Il faut. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Prendre. Prendre. To take. Prendre. Le verbe prendre. Je prends. Tu prends. Je prends. Tu prends. Il prend. Elle prend. On prend. Nous prenons. Vous prenez. Ils prennent. Elles prennent. Je prends. Des tomates. Je prends le bus. Tu prends quoi? Tu prends quoi? Je prends des pommes. Je prends des fraises. Je prends le chocolat. Je prends. Je prends. Tu prends, il prend, elle prend, on prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent, le verbe prendre et le verbe acheter, j'achète, acheter, verbe en ER, acheter, j'achète, tu achètes. Il achète, elle achète, on achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. J'achète, tu achètes, il achète, elle achète, on achète. Nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent, j'achète, tu achètes, il achète, elle achète, on achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on achète?
J'achète des tomates, des pommes, des poires, des bananes, des biscuits. J'achète, je prends. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a dit le verbe je voudrais. I would like. Je voudrais. Voudrais. Je voudrais. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu le verbe. Maybe we can stop here for now and we continue tomorrow. D'accord? On arrête un peu les verbes pour aujourd'hui et on continue demain. Tous les verbes, je vais vous les donner, ça sera en forme de document Word. Vous allez voir tout ça sur le document Word. Hein. Ça sera sur le Patreon. Vous pourrez le télécharger, le document Word, avec tous les verbes. J'achète, tu achètes, il achète, tout sera sous la forme de document Word. D'accord? Bon, je vous laisse. Je vous laisse et je vous dis à demain. À demain. Demain, c'est mercredi. Voilà. Vous pouvez m'écrire, hein, vous pouvez me poser des questions. Hein, d'accord? Sinon, je vous dis à demain. On continue demain. D'accord? Bonne soirée. Bonne soirée. On continue demain avec les verbes. Au revoir tout le monde. N'oubliez pas, aimez la vidéo et vous pouvez faire un don sur Patreon si vous voulez. Voilà. Au revoir et à demain. Merci, merci. Au revoir tout le monde. Bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours de français, hein. Alors, le cours de français, c'est tous les jours de la semaine, hein. C'est à 19h30. 19h30 ou 7h30. Je mets le micro là un peu plus. Et on a terminé, hein. On a terminé le niveau A1. Je vais vous mettre le livre en ligne et puis je vais poster aussi une vidéo. Ça sera une vidéo. Ça sera une vidéo donc où vous avez tous les cours ensemble pour tous les cours de niveau A1. D'accord? Donc je vais bientôt poster cette vidéo niveau A1. Donc pour un débutant qui veut apprendre le français, eh ben, il y aura toute la vidéo. Je vais tout mettre poum, ensemble. Okay? Bonsoir, bonjour Gabriella. Bonjour Gabriella. Et aujourd'hui, on termine juste les verbes. On va continuer les verbes un peu. Alors, hop, je l'ouvre. Tac, tac. Et on s'est arrêté. Alors, c'était quel verbe? C'est vrai qu'on a vu hier. Hein, le verbe être, le verbe aller, le verbe travailler. Le verbe s'appeler, le verbe habiter, le verbe avoir, le verbe aimer, le verbe faire, le verbe regarder, venir, savoir, prendre, acheter. Et qu'est-ce qui nous manque comme verbe? On y va. Je sais pas où on s'est lancé. Je reprends le fil. Acheter. Attendez, j'arrive. Tac. Oui, alors. Ça, venir, ça on a vu, le verbe venir, le verbe acheter. Est-ce qu'on a vu le verbe, ouais, le verbe parler, parler, je parle, aller. Bon. Se réveiller. Je crois qu'on n'a pas vu se réveiller. Le verbe se réveiller, se réveiller. Je vais le répéter avec moi. Se réveiller. Je me réveille. Tu te réveilles. Il se réveille. Elle se réveille. On se réveille. Nous nous réveillons. Vous vous réveillez. Il se réveille, elle se réveille, se réveiller. Se réveiller. Wake up, wake up. Je me réveille. Tu te réveilles.
Tu te réveilles, il se réveille, elle se réveille, on se réveille, nous nous réveillons, vous vous réveillez, il se réveille, elle se réveille. Non, 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 est-ce que vous habitez à Nice? Non, non, je n'habite pas à Nice. J'étais à Antibes, c'est à côté de Nice. Tu sais, j'étais à Antibes, mais je suis à Paris maintenant. J'étais à Antibes, c'est à côté de Nice. Mais à côté de Nice, de Cannes, et maintenant je suis à Paris. D'accord? Donc, se réveiller. Bonjour à la Abdel Salam. Bonjour. Se réveiller. Je me réveille. Tu te réveilles. Il se réveille. Elle se réveille. Nous nous réveillons. Vous vous réveillez. Il se réveille. Elle se réveille. Se réveiller, c'est un verbe pronomi, c'est des verbes pronominaux. Se réveiller. Je me réveille. Tu te réveilles. Il se réveille. Nous nous réveillons. Something that happened to yourself. C'est vous. C'est vous. Je me réveille. Je réveille moi. Je réveille Georges. Je me réveille. Je réveille Georges. Je réveille moi. Je me réveille. Hein? Donc, il y a aussi le verbe dormir. 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 D'autres verbes pronominaux qu'on n'a pas vu, par exemple, s'habiller, s'habiller, se réveiller, s'habiller, s'habiller. Je m'habille, tu t'habilles, je m'habille, tu t'habilles, il s'habille. Elle s'habille. On s'habille. Vous, nous habillons. Vous habillez. Il s'habille. Elle s'habille. S'habiller. Je m'habille. Tu t'habilles. Il s'habille. Elle s'habille. On s'habille. Nous nous habillons. Vous vous habillez. Il s'habille. Elle s'habille. Je m'habille. Tu t'habilles. Il s'habille. Elle s'habille. On s'habille. Nous nous habillons. Vous vous habillez. Il s'habille. Elle s'habille. Je m'habille. Tu t'habilles, il s'habille, elle s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, il s'habille, elle s'habille, je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, elle s'habille, on s'habille, nous habillons, vous habillez, il s'habille, elle s'habille. Un autre verbe, donc les verbes pronominaux, ce sont des verbes pronominaux. So it's you, moi, je m'habille. Un autre verbe pronominal que vous avez, c'est s'appeler. S'appeler. Je m'appelle. Je m'appelle. Georges. Tu t'appelles. Il s'appelle. On l'a vu hier. Hein. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Oh, sorry, s'appeler. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle, ok, s'appeler, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle, nous nous appelons, vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle, ok. Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme verbe? Il y a le verbe, donc se lever, se lever, est-ce qu'on a vu se lever? Se lever. Se lever, c'est aussi un verbe pronominal. Je me lève.
Tu te lèves. Il se lève. Elle se lève. On se lève. Nous levons. Vous, vous levez. Il se lève. Elle se lève. Okay. Je me lève. Tu te lèves. Il se lève. Elle se lève. On se lève. Nous nous levons. Vous vous levez. Il se lève. Elle se lève. Okay. Se lever. Bonsoir Annie. Bonsoir Annie. D'accord. Se lever. Je me lève. Tu te lèves. Il se lève. Elle se lève. Nous nous levons. Vous vous levez. Il se lève. Elle se lève. Okay. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre comme verbe? Donc je voudrais. I would like. Okay. Qu'est-ce que tu voudrais? Maybe. Qu'est-ce qu'il y avait? S'habiller, manger, manger, on a vu, hein, manger, je mange, tu manges, il mange, ça va. Manger, parler, hein, okay. Travailler. Ah, connaître, connaître, to know something, connaître, le verbe connaître. Connaître. Je connais, tu connais, il connaît. Elle connaît, on connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elles connaissent. Okay. Le verbe connaître, je connais, tu connais, il connaît. Elle connaît, on connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elles connaissent. Je connais Paris. Tu connais Georges? Il connaît Nice. Il connaît Nice. Elle connaît, on connaît. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elles connaissent. Je connais, tu connais, il connaît, elle connaît, on connaît. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elles connaissent. OK? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah, le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir. Je peux. Tu peux. Il peut. Elle peut. On peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. Elles peuvent. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Mardi, je peux. Je peux. Tu peux jouer au foot? Oui, je peux. Ouais. Elle peut parler français. On peut travailler. On peut travailler samedi. Nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. Elles peuvent. Je peux. Tu peux. Il peut. Elle peut. On peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Ils peuvent. Elles peuvent. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Voilà, bon. Il y a le verbe aussi dormir. On a vu le verbe dormir, to sleep. Dormir. Le verbe dormir.
Dormir. Je dors. Tu dors. Il dort. Elle dort. On dort. Nous dormons. Vous dormez. Ils dorment. Elles dorment. Je dors. Je dors. Tu dors. Il dort. Elle dort. Nous dormons. Vous dormez. Ils dorment. Elles dorment. Je dors. Tu dors. Il dort. Elle dort. On dort. Nous dormons. Vous dormez. Ils dorment. Elles dorment. Je dors. Tu dors. Il dort. Elle dort. On dort. Nous dormons. Vous dormez. Ils dorment. Elles dorment. OK. Donc, très bien. Le verbe dormir. Dormir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on a vu comme verbe? On a vu ensemble le verbe. Le dernier verbe, peut-être. Bon, on a vu peut-être deux verbes qu'on peut voir. Il y a un verbe qui est apprendre. To learn. J'apprends. Tu apprends. Il apprend. Elle apprend. On apprend. Vous apprenons. Vous apprenez. Ils apprennent. Elles apprennent. OK. J'apprends. Apprends. J'apprends le français. Tu apprends l'anglais. Il apprend le foot. Elle apprend. Elle apprend le golf. On apprend le français. Nous apprenons. Vous apprenez. Ils apprennent. Elles apprennent. Le verbe apprendre. J'apprends. Tu apprends. Il apprend. Elle apprend. On apprend. Nous apprenons. Vous apprenez. Ils apprennent. Elles apprennent. Vous apprenez le français? Oui, oui, j'apprends le français. J'apprends les maths, les mathématiques. J'apprends. J'apprends le tennis. Ah, j'apprends le tennis. Oui, mercredi, j'apprends le tennis. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, se reposer. Dernier verbe. Hein, vous. Nager, se reposer, là, se baigner. Se reposer. Je me repose. Se reposer. Je me repose. Tu te reposes. Il se repose. Elle se repose. On se repose. Nous reposons. Vous reposez. Il se repose. Elle se repose. OK ? Se reposer. Je me repose. Tu te reposes. Il se repose. Elle se repose. On se repose. Nous reposons. Vous vous reposez. Il se repose. Elle se repose. Je me repose. Tu te reposes. Il se repose. Elle se repose. On se repose. Nous nous reposons. Vous vous reposez. Il se repose. Elle se repose. Le week-end, on se repose. Ah, samedi, dimanche, je me repose. En vacances, je me repose. OK ? Donc ça, c'est tous les verbes.
tous les verbes. All the verbs that we saw together. Tous les verbes, ce sont tous les verbes. Ok. Donc tous les verbes, ils seront disponibles. Hein, donc ne vous en faites pas. Je peux vous le montrer. Hein, d'accord. Tous les verbes vont être disponibles. Voilà. Tac. Je peux vous partager là. C'est ça? Ah non. Share screen. Voilà. Tac. Vous voyez ici. Hein. Donc je vais vous le mettre. Ça sera sur Patreon, hein, sur un lien de Patreon. Vous voyez les verbes ici. Tous les verbes. Verbe niveau A1. Hein, d'accord. Bon, on ne les voit pas bien. Là. Je vais les mettre mieux. Hein. Ils ne sont pas bien. Hein. D'accord. Je les ai tous tapés là. Donc ce sont tous les verbes qu'on a vus. Hop, Arial, on va dire en 18, là, comme ça. Voilà, tous les verbes. Donc, il y a le verbe, tous les verbes qu'on a vus, les verbes de niveau A1, verbe être, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Le verbe travailler. Je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille, on travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. S'appeler, le verbe s'appeler. Je m'appelle Georges, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous appelons, vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Le verbe habiter. J'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Le verbe parler. Je parle français, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le verbe aimer, j'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Le verbe faire, je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait. Nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Le verbe regarder. Je regarde, tu regardes, il regarde, elle regarde, on regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde, elle regarde. Le verbe venir. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Je viens à Paris. Le verbe savoir. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais, tu sais, il sait, elle sait, on sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Je sais parler français, je sais. Le verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Le verbe acheter. J'achète, tu achètes, il achète, elle achète, on achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. Le verbe se réveiller. Je me réveille, tu te réveilles, il se réveille, elle se réveille, on se réveille, nous nous réveillons, vous réveillez, il se réveille, elle se réveille. S'habiller. Je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, elle s'habille, on s'habille, nous nous habillons, vous habillez, il s'habille, elle s'habille. Se lever. Ah, oh, je me lève. Le matin, je me lève, tu te lèves, il se lève, elle se lève, nous nous levons, vous levez, il se lève, elle se lève. Le verbe connaître. Je connais Georges. Je connais, tu connais. Il connaît, elle connaît, on connaît. Nous connaissons, vous connaissez. Ils connaissent, elles connaissent. Le verbe pouvoir. Je peux, tu peux. Il peut, elle peut, on peut. Nous pouvons, vous pouvez. Ils peuvent, elles peuvent. Dormir. Je dors, tu dors. Il dort, elle dort, on dort. Nous dormons, vous dormez. Ils dorment, elles dorment. Apprendre. J'apprends le français. Tu apprends, il apprend, elle apprend, on apprend. Nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent, elles apprennent. Se reposer. Je me repose, tu te reposes, il se repose, elle se repose. Nous nous reposons, vous vous reposez. Il se repose, elle se repose. Ouais. Donc, il y a tous les verbes. Ce sont, voilà, se reposer. Se reposer. Il y a tous les verbes. Vous avez tous les verbes qu'on a vus pour le niveau A1. Ah, zut, pardon, comme ça. Tous les verbes qu'on a vus pour le niveau A1. Et, voilà, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Comme ça. Bon, attendez, je vais me faire comme ça. Il doit juste ça. Et là, vous avez toutes les leçons, là, tout le livre. Donc, je vais vous le mettre, hein, voilà, tout le livre. Hein, je n'ai pas terminé encore. Voilà, mais il y a tout le livre. Donc, leçon 1, leçon 2, voilà, leçon 1, les salutations. Leçon 2, avec le vocabulaire. Leçon 2, se présenter.
leçon 3. Donc tout ça, je vais vous le mettre sur Patreon. Voilà. Hop, on arrête le partage. Je me remets ici. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc je vais vous mettre tout ça peut-être demain. Hein. Demain, je pense. Demain, je mets les livres sur Patreon. Et il y aura aussi une grande vidéo, une longue vidéo sur la chaîne. D'accord? Voilà, hein, c'est un peu rapide aujourd'hui. Je parle très vite aujourd'hui. Je parle très vite aujourd'hui. J'espère que vous comprenez. Today I speak very fast and I hope that you can understand. Okay. Voilà, voilà. N'oubliez pas de mettre un like, d'aimer les vidéos et n'oubliez pas, vous pouvez aussi faire un don sur Patreon. Voilà. Je vous laisse. Au revoir et à demain. Au revoir et à demain. Merci, hein, tout le monde. Merci, merci.